Hello tout le monde, vous êtes toujours avec le carter fou, ben, joli boost suite au précédent jeu, donc 15-009 de balance. Alors actuellement machine à sous des escape, on va voir ce que ça va donner. Le jeu qui est un petit peu difficile. Enfin, comme tout jeu, il a ses humeurs. Commencer d'entrer avec des spins à 75. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Ah ouais, ça m'aurait étonné. Les free games d'entrée en début de partie, c'est ça court pas les rues. Ouais, pas grand chose niveau win pour le moment. Alors on va se taper un double wild, triple wild. Alors, infecté 7 heures. 1725, pas mal, pas mal. Ça c'est un joli win. Alors on avait commencé à 15 000 balles, on est à 16 267, pas mal. Bon, après cette machine à sous, je l'ai testé plusieurs fois, rares sont les fois où j'en suis sorti gagnant. Bon, c'est un jeu comme un autre, des fois il paye, des fois il paye pas. Pas de secret à ce sujet. Le bénéfice qui est en train de se faire rebouffer, coup classique des machines à sous. De toute façon, c'est clair qu'avec des 1075 balles, quand ça paye en conséquence, mais une dizaine de spins perdants, ça fait moins 750, ça va très vite. Les trois bagnoles seraient pas mal si vous pouvez nous les pendre assez rapidement, mais ça bien sûr sur ce jeu, une fois faut jouer une plombe avant de voir apparaître.
va réduire un petit peu les mises. Allez, 52-50. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il va me braquer la troisième bagnole, mais... j'imagine que ça va peut-être un petit peu tarder. Alors, Dead ou Escape, Escape, allez, coup de bas dans la tronche. Ouais, pas énorme, 110 balles de win. Bon, j'attends qu'il me pondent les 3 bagnoles et 3 scatters pour les bonus free game, et sur ce jeu, ça peut prendre éventuellement une plombe. Wild sur le dernier rouleau, on a 78. Bon, ben comme très souvent, joli bénéf en début de partie, par la suite bénéf rebouffé, puis ça part dans la loose. Voilà, red rouleau, non pas troisième bagnole. Chiffre 12, bientôt le chiffre 11. Est-ce qu'on va faire 12, 11, 19? De toute façon, je vais poursuivre la partie, voire attendre qu'il nous prenne des 3 scatters, mais ça, bien sûr, ça va peut-être pas être dans l'immédiat. Un truc, on va essayer la montante magique, ça veut bien être magique. 105 de récupérer sur 105 de mise. Alors spin ultime, celui-là il coûte cher. Voilà, que dalle de récupérer sur celui-là. Encore une jolie partie, on était passé de 15 000 à 16 000, on aurait dégagé à 11 000. Alors, chance, 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 non. Oui, eh ben. Il nous l'a enfin pondu, il était temps. Allez, free game à 52-50, espérons que ça rack, c'est pas garanti. Allez, Jerrican, c'est une free game supplémentaire à chaque fois. Ah,
200 on donne à 446, pas loin du x10 par rapport à la mise. Enfin, x10 c'est quand même cacahuète. Alors, ce qui va nous prendre un gros big win, sans vouloir que ce soit pas trop d'actualité. Le jerrycan c'est bien beau, ça fait une free game supplémentaire, mais ça enlève aussi un symbole sur les lignes de paiement. Voilà, c'est un donné pour un rendu. Ouais, on a dépassé le x10 par rapport à la mise, mais rien d'extraordinaire. Alors 9 respins de restant. Fais-toi becter, hop. Becter aussi. Alors, le premier big win, il va être de combien? 665, ouais, pas énorme. On va peut-être arriver au x30 par rapport à la mise, mais je m'attends pas à des trucs extraordinaires. Sauf joli coup de chance. Il nous file pas mal de wild, éventuellement des wild expansifs, avec du high symbol à la clé. Le truc relativement rare avec ce genre de jeu. Alors on a dépassé le x30, on a dépassé le x30, il nous reste 3 free games. 60 balles. $1811,25. Ok, on remonte à 13 000. Ah, ouais, les mises fixées à 13 000. On va tenter de jouer les 452 pour voir. Par contre, on va baisser un petit peu les mises. Allez, 37,50. Peut-être qu'il va nous faire un petit coup de la chance du débutant, c'est-à-dire deux rounds de bonus free spin quasiment d'affilée. Le truc qui arrive malheureusement pas tous les jours avec les machines à sous. Alors, ce serait pas mal, on est bientôt à la fin. Et ben voilà, re-free game, chance du débutant. Bon, après ça, on se casse, la répartie directe. Espérons que ça rack. On avait commencé à 15 000 balles, 2000, pratiquement 2000 de perdu. Alors, big win, big win, big win. Nous pompe plusieurs wilds avec du high symbol à la clé, le truc arrive bien sûr pas très souvent. Allez, 12 free games. Eh ben quand même, sans déconner, deux rounds de bonus free spin sur ce jeu, c'est pas gagné car j'ai déjà testé, il a fallu jouer pendant une plombe avant que les 3 scatters sortent, et encore des fois ils sortent même pas. Allez, jerrycan, une free game en plus. Quasiment un x10 par rapport à la mise. Malheureusement, il veut pas nous prendre des wilds, donc... gain de restante, on a 568, ça stagne un petit peu au niveau des wins. Est-ce qu'on va atteindre 2x20 par rapport à la mise? Alors, petit wild.
143. Ben on est remonté à 14 000, on avait commencé à 15 000, donc 1000 balles de paumé sur ce jeu. Alors on va faire, hop. Voilà, un petit spin à 21. Et terminus, tout le monde descend. Qu'est-ce que ça nous donne? 28, on va retenter 1. Alors là c'est trop, bon, on va essayer ça. Et voilà, terminus, tout le monde descend, donc rendez-vous à la prochaine. Et ouais, 2,50 de win pour un spin à 15, c'est pas mal. Allez, 14,009, on va tenter de faire fructifier ce montant sur les prochains jeux, s'il se fait pas déglinguer, car ça c'est bien sûr une forte probabilité, mais bon, on verra bien. Allez, frein à main, close.